Bon, petit café. Alors, j'avais eu le gîte pour moi tout seul hier. J'ai eu le gîte pour moi tout seul. Ce qui est assez étonnant parce qu'en fait, il y avait quand même pas mal de monde sur le chemin que j'ai rencontré. Mais bon, voilà. Alors, bon. Rien à dire de particulier. Enfin, c'est. C'est pas pire. C'est pas pire. Bon. Après, j'ai pu prendre ma douche, j'ai bien dormi. Là, il est 7 h du matin, je vais partir. Voilà. Voilà, on continue. Bon, voilà, ça vient de sonner 7 h et je reprends le GR. Alors, il fait effectivement très bon là, hein, il doit faire 17-18 degrés. À partir de 10 h, ça chauffe en fait. C'est vrai que. Alors, on va voir, on va essayer de ne pas se tromper de chemin aujourd'hui et on va essayer de prendre la bonne route pour arriver pas trop tard et voilà, allez, on y va, on continue. Premier petit piège là, on a vu la marque du GR un peu plus haut. Là on voit une autre marque de GR mais de petite randonnée, pas de GR pardon, de PR. Et donc voilà, là il y a un chemin ici. Voilà. Bon, j'espère que je vais trouver une marque un peu plus bas et que je vais pas me taper toute une descente pour la remonter après. On espère. Je vois la marque là-bas. Tout va bien pour l'instant. Alors l'année dernière, j'avais fait l'impasse et j'étais allé, je pense, directement à Lozère. Cette année, je me suis arrêté à Montcuq. Bon, j'ai pas trouvé réellement ça plus intéressant que ça. Mais bon, c'est pas un vilain village non plus. Et ma foi. Alors là, le PR tourne à gauche, on nous le dit. Ouais, eh ben, le GR aussi. C'est très bien. On continue.
C'est relativement rare, hein, généralement dans les églises. On a bien souvent des choses du 19e, voire du 20e. Et là, on a une croix probablement 17e. Et je vois une Vierge qui me semble encore bien plus ancienne. Une Vierge noire. Ouais, qui me semble être du 15e à première vue. Voilà. Jolie chapelle. Jolie chapelle. Je viens de me faire une petite montée bien costaud quand même, pas très longue, mais bon, avec le poids du sac, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, sinon c'est ombragé, c'est bien. J'ai plus d'eau, j'ai fini mon eau, j'en ai profité, enfin j'ai profité de la boire pendant qu'elle était encore fraîche, parce que l'eau chaude, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Et donc là, je suis environ à 6 km, 6 km et demi de Lozère. Bon, ce sera une étape de 14 km. Ma foi, raisonnable, on va dire. Et je vais m'arrêter certainement à Lozère ce soir
ou aux environs. Voilà, je ne sais pas encore si je bivouaque. Je pense qu'il y a des chances que je bivouaque. Mais on va voir ça un peu plus tard. À moins que je ne trouve un endroit avec un point d'eau pour pouvoir bivouaquer. J'ai pas vraiment beaucoup de nourriture, mais j'en ai encore un peu. Donc ça pourrait faire l'affaire pour cette soirée. Voilà. Bon, c'est assez sympa. Ce petit bois joli. Il y a quand même pas mal de pèlerins, j'en ai rencontré au moins une bonne dizaine, voire plus. Après, voilà, j'ai marché un petit peu avec un pèlerin. On a discuté un petit peu avec d'autres pèlerines et pèlerins. Ça se passe plutôt bien. Alors, c'est vrai qu'il fait pas froid. C'est vrai qu'à partir de 9h, 9h30, si on est en plein soleil, bah, il fait même très chaud, enfin très chaud, il fait chaud, mais ça va, voilà, je confirme qu'on peut marcher sur le chemin cette année, contrairement à ce qu'ont pensé certainement beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup moins de monde que l'année dernière quand même. Et j'imagine que les infos télévisuelles annonçant cette canicule ont dû en décourager certains. Voilà. Bon, ben, on continue. Ouh, ça piaille. Je pense que ça doit être de l'élevage de quelque chose, ou tout au moins. Ouais. Ça ressemble à ça. Alors, c'est vous qui faites autant de bruit? Ah ouais, hein. Oh, bah vous avez peur de quoi? Vous avez peur de moi parce que vous faites beaucoup de bruit? Eh bah dis donc. À la fin de la journée, vous devez avoir un peu à la tête. Hein. Là, je suis à 4 km de Lozerte et le chemin est super, super agréable. Bon, il fait chaud si on est en plein cagnard, mais au-delà de ça, il y a un peu une petite brise sympa quand même dans le chemin, là, sur le chemin et avec l'ombre procurée par ces jolis arbres. Franchement, c'est sympa. Voilà. C'est même super cool. On continue. En fait, c'était 2,8 km et là je suis pas encore tout à fait arrivé, mais je suis arrivé à la fontaine. L'eau est fraîche, ça fait du bien. Je suis assez content parce que de l'eau fraîche comme ça, alors qu'elle est en plein cagnard, c'est super cool. Voilà, bon, bah, bientôt arrivé quoi. Chemin très agréable, et comme dirait l'autre, en fait, c'est pas toi qui prends le chemin, c'est le chemin qui te prend en fait. J'ai pu m'en apercevoir. C'est vrai qu'au départ, j'avais l'impression, tout au moins l'année dernière, que beaucoup de youtubeurs qui faisaient Compostelle étaient un peu nièvres en fait dans leur discours. Et puis finalement,
à le pratiquer, ben, je crois qu'ils ont raison en fait. Alors bon, je vais pas faire le nièvre à mon tour, mais c'est vrai que c'est une expérience quand même qui vous change. Voilà. Bon, petit passage, hein, un petit sentiment comme ça. Voilà. Allez, on est presque arrivé à Lozère, on continue. Petit minou. Voilà, il y a une petite descente un peu chaude, hein. Ça descend sec. Effectivement, il vaut mieux avoir des bâtons. Enfin, il y a quand même une rambarde de sécurité qui peut permettre de se retenir, mais en fait, je pense que c'est quand même mieux avec des bâtons. Et je suis à 2 km et demi de Lozère. Voilà. Allez, on continue. Et voilà Lozère en face. Un bien joli village, comme j'avais dit l'année dernière. Il a l'air tout aussi joli cette année. Le chemin était super, assez ombragé. Enfin, c'était cool cette étape, très cool. Va faire un gros plan de Lozère. On va essayer. Ça bouge un peu, mais bon, c'est Lozère. Alors, je me souviens aussi de la montée. Et la montée, en fait, elle est assez rude. Elle est assez rude, la montée à Lozère. Donc, je crois que je vais un peu suer. C'est pas grave. On va y arriver. Même si le village est très joli, je ne vous ferai pas réellement de visite du village puisque je l'ai fait l'année dernière, donc vous pourrez le retrouver dans la saison de l'année dernière. Et il y aura la visite au complet parce que là, je sais que je l'avais fait à l'époque. Bon, c'est très joli, c'est très propre, bien restauré. Mais pour aujourd'hui, je vais retourner là où j'étais, je pense. L'année dernière, j'essaie de retrouver, normalement théoriquement ça devrait être par là, et je vais repasser la nuit donc dans le gîte où j'étais l'année dernière. Enfin, j'avais passé la nuit dans ma tente, dans le jardin d'un gîte, et c'était très bien. Voilà, je me souviens qu'à l'époque on était en pleine période de Covid,
J'avais pas du tout aimé l'accueil des restaurateurs locaux. Donc je vais pas les engraisser cette année. Ça leur apprendra à être con. Voilà. Voilà. C'est pas que je suis rancunier, mais à un moment donné, faut quand même prendre ses responsabilités. Ils ont pris les leurs. Moi, je prends la mienne. Voilà, pas d'engraissage d'abrutis. Il y en a déjà trop. C'est pas en les nourrissant que ça s'arrangera. Voilà. Ouais, je pense vraiment que c'est le bon chemin. Ça me permet de vous faire une petite vue. Une petite vue quand même du village. Alors, à moins qu'il ne se passe un événement particulier, je vais certainement arrêter ma vidéo ici pour aujourd'hui. Et puis on reprendra la vidéo demain. Voilà. Allez, je vais essayer de voir avec vous si j'arrive jusqu'à au gîte où j'étais l'année dernière. Alors j'ai croisé une pèlerine qui s'était un peu perdue et qui passait par un autre côté. Ouais, ça me rappelle bien quelque chose là. Ça me rappelle bien quelque chose, c'est ça. Et là on est sur le GR pour retourner, enfin pour retourner, pour continuer le chemin vers Compostelle. Et donc elle se trompait de rue et je lui ai dit que j'avais fait le chemin l'année dernière, donc je lui ai indiqué le bon chemin. Et elle a préféré tourner en rond, donc je pense qu'elle n'est pas encore arrivée. Bon, tant pis pour elle. C'est la vie. Ah, je me souviens bien de ces escaliers. En théorie, il y a une boulangerie en bas. Et le gîte n'est pas loin de la boulangerie. On va voir si je me suis trompé ou pas. Je ne devrais pas. Alors, est-ce qu'il faut descendre encore? Je ne sais plus, il y a des chances. Il y a des chances parce que ça me rappelle pas grand chose. Il y a l'air d'avoir un chantier là-bas. Bon, c'est pas grave, je retournerai sur mes pas si tel est le cas. Ouais, je suis à peu près sûr que c'est derrière. Bonjour monsieur. Bonjour. Il y a une boulangerie en fait un peu dans le coin là, il me semblait. Parce oui, qu'il y a... oui, oui, oui. C'est en bas là, c'est ça? C'est en bas, mais il faut y aller un peu plus loin. Vous descendez les escaliers. Les escaliers. D'accord. Vous descendez, vous y allez tomber dessus. Ouais, ouais, c'est ce que je pensais. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Dans le doute, j'ai préféré quand même aller voir parce que s'il fallait remonter les escaliers, ma foi, je m'en passe volontiers. Donc je préfère vérifier avant. Voilà. Donc on va arriver au gîte où j'étais l'année dernière. Je pense même pouvoir passer par ces escaliers-là sans avoir à retourner jusqu'à là-bas. On va faire ça. Bon, il fait pas froid hein, quand on est au soleil. Je vous le confesse. Alors, rue Merdouze. Ah, bon, Merdouze, c'est pas super comme nom. Mais bon. Est-ce que c'est là? Non, c'est, ouais, c'est l'autre, un peu plus bas. On va y arriver par là, c'est bon. Je suis arrivé. Où je pensais arriver. Normalement, le gîte est en face, là-bas. Alors, évidemment, hein, j'ai pas réservé, mais bon. Comme je suis en tente, normalement ça pose pas de soucis. Ça c'est bien la boulangerie qui est là. Et
Voilà, l'abeille Lulu, c'est ça. I remember now. Et le GR est là en fait. Donc la pèlerine de tout à l'heure, elle aurait mieux fait de me suivre. J'aurais pu l'amener directement sur le GR pour qu'elle puisse continuer son chemin. Mais il en a été autrement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'abeille Lulu? On va voir. Moi, je me souviens avoir dormi là l'année dernière. J'avais posé ma tente ici. Bon, on va voir s'il y a quelqu'un. Bon, je ferai encore une petite vidéo pour vous dire ce qu'il en est. Bon, vous avez bien vu le chemin que j'ai emprunté. Donc, l'abeille Lulu, c'est ici. Si vous venez, vous voulez reprendre le chemin le lendemain pour continuer la voie vers Saint-Jacques, vous avez la possibilité de descendre ici en bas ou couper ici et vous êtes directement en bas en prenant à gauche. Et ça, c'est donc le gîte de l'abeille Lulu. Et moi, je vous conseille vivement ce gîte. D'abord parce que vous serez vraiment complètement au bon endroit pour reprendre la route le lendemain matin. Et ensuite parce qu'elle est adorable et que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Voilà. Donc que dire de plus? Là, je vais vous dire au revoir, à demain. Et puis voilà. Donc à demain.